femmes, elles réagissent toujours. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une vidéo pour dévoiler les hommes? Bon, enfin, ok. On va essayer d'être juste pour ajuster, pour équilibrer. Donc, comment savoir s'il est en train de vous tromper ou s'il est déjà ailleurs? D'abord, on va mettre les bases. C'est quoi une relation? C'est quoi un mariage? C'est basé sur certains éléments qui justifient ce mariage. Ces éléments sont principalement l'affection pour son compagnon ou pour sa compagne dans ce cas, l'attention de l'homme pour sa femme. Un homme qui aime sa femme est attentionné, il lui donne le temps possible, sa présence, sa protection, sont ces éléments qui sont essentiels pour justement justifier un mariage, n'est-ce pas? Ou une relation ou un fiançailles. Donc, principalement, la première chose qu'il faudrait identifier pour savoir s'il est en train de vous tromper ou il est déjà en train de regarder ailleurs, c'est le désintérêt. Le désintérêt dans votre histoire. S'il était toujours présent, toujours là pour vous écouter, toujours là pour vous, et soudainement, il n'est plus là. Vous sentez qu'il n'est pas là. Il est peut-être dans la même maison que vous, mais ses idées ne sont plus là. Vous êtes assis sur le même canapé, mais il est dans son téléphone pendant que vous êtes assis toute seule. C'est peut-être une raison de commencer à s'inquiéter. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est parti, mais ça veut dire si autrefois il était là avec vous en train de discuter, en train de regarder un film, une vidéo, en train d'échanger, mais il n'est plus là, il semble plus joyeux dans son téléphone qu'avec vous. Il faut commencer à s'inquiéter. Le deuxième signe auquel il faudrait tirer attention, c'est comment est-ce que vous discutiez dans le passé? Est-ce qu'il t'appelait souvent? Okay. Si l'homme appelait souvent, appelait chaque jour ou tous les 30 minutes, enfin c'est un peu exagéré, mais bon, toutes les deux heures et soudainement ne le fait plus, il faudrait attendre qu'il t'appelle. Des fois, c'est toujours toi qui appelles. Si tu n'appelles pas, il n'appelle pas. C'est peut-être une raison de commencer à s'inquiéter. C'est vrai qu'il y a des hommes qui n'appellent pas. Okay, ils ne sont pas nécessairement infidèles. Mais si autrefois il appelait tout le temps, et soudainement il ne le fait plus, il doit clairement y avoir une raison pour laquelle il ne le fait plus. Il faut commencer à investiguer et comprendre pourquoi ce changement. La troisième raison, je dirais, des mensonges répétés. Quand un homme commence à mentir, « Ah, j'arrive tout de suite, je te promets, au téléphone, j'arrive, je serai là dans 30 minutes. » Il n'est pas là. « Je suis avec des amis, mais vous ne sentez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. » Vous ne savez pas exactement ce qu'il dit. Il dit, bon, je te rappelle tout de suite, mais ne rappelle pas. Il faudrait commencer à s'inquiéter. Il est peut-être en train de passer du temps avec quelqu'un d'autre. L'attention qu'il vous doit est en train d'être remis entre les mains d'une autre personne. Il faudrait commencer à y réfléchir. Un homme qui vous juge tout le temps, ça sera 4, je crois, qui juge tout ce que vous faites, vous critique sur la moindre des choses. Il est toujours là sur ses grands chevaux, fâché. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi la nourriture n'est pas bonne? Pourquoi tu attends que j'ouvre la porte? Pourquoi tu ne m'apportes pas de l'eau à boire? Tout ce que vous suggérez est soudainement rejeté. Quand autrefois c'était plus facile, vous pouvez facilement coopérer, discuter, échanger. Mais vous avez l'impression que tout ce que vous faites n'est pas bien. C'est peut-être une raison de commencer à s'inquiéter. 5. Le téléphone. L'accessibilité au téléphone. Très important. Est-ce que vous avez accès à son téléphone? Il a toujours le téléphone en main, toujours en train de... Ah oui. Ah, ok. D'accord, je te rappelle. Il faut commencer à s'inquiéter. Vous savez, les hommes sont différents des femmes. Une femme, généralement, quand elle aime déjà quelqu'un, quand elle a son cœur attaché à quelqu'un, dans la plupart des cas, elle ne peut pas associer son cœur à une deuxième personne. Bon, c'est vrai, il y a des femmes hybrides qui sont capables de beaucoup de choses. Mais la plupart des femmes normalement constituées ne donnent leur cœur qu'à une seule personne. Les hommes, par contre, peuvent avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 autres personnes sans nécessairement vouloir quitter sa femme. C'est ça la différence. Quand une femme donne son cœur à quelqu'un d'autre, écoutez, elle est en train de partir. Quand un homme trouve une autre personne, il peut vouloir garder cette autre personne sans nécessairement vouloir quitter sa femme. C'est ça la différence. Maintenant, quand l'appel entrant vient et que vous voyez directeur ou secrétaire sans vraiment comprendre, et les conversations sont toujours très cryptées, il faut commencer à s'inquiéter. Vous n'avez pas accès à son téléphone,
des codes qui changent tous les 3 jours, il est peut-être en train de vous tromper. Parce que si vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans son téléphone, croyez-moi, il faut commencer à s'inquiéter. 6. Chez nous, en tout cas, nous, de la vieille école, l'homme entretient sa femme. L'homme prend soin de sa femme, l'homme est protecteur, il est guide, leader, protecteur, encore une fois. Nous sommes de la vieille école. Quand votre homme ne se souvient plus de votre soin, c'est-à-dire vos soins capillaires, votre habillement, tout ce qui constitue les nécessités premières de la femme, et qu'il faudrait toujours venir rappeler cet homme de faire ce qu'il est censé faire naturellement, il faut commencer à s'inquiéter. Si votre homme ne vous offre pas de l'argent pour acheter un téléphone, pour acheter votre crème de beauté, pour prendre soin de vous en tant que femme, en tout cas je parle aux Africains, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, les Français, ce n'est peut-être pas applicable chez vous, mais si votre homme en tant qu'Africaine ne fait pas ces choses, il faut commencer à s'inquiéter. Parce qu'un homme qui aime sa femme, un vrai homme, un Africain de première classe, s'assure que sa femme ait les choses les plus élémentaires. En tout cas, qu'elle soit à l'aise sur ce plan-là. Qu'elle n'ait pas à envier d'autres femmes ou à quémander. Et s'il ne le fait pas pour vous, eh bien peut-être qu'il est en train de le faire pour quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs. Une personne qui représente beaucoup plus que vous, clairement. Voilà. C'est intéressant, comme on l'a dit. Si vous voulez un peu plus de précision ou vous désirez qu'on fasse une nouvelle édition, on fera une autre vidéo pour compléter celle-ci. Celle-ci, évidemment, comme l'a initié Marvel, c'était pour répondre un tout petit peu à ceux qui ont demandé quand est-ce que vous parlez des hommes. Voilà, il faudrait commencer à s'inquiéter si votre homme est en train de vous montrer ou de déployer ses signes élaborés précédemment. Merci infiniment, les amis. Nous sommes en plein tourisme, vous savez. On vous fera parvenir très bientôt la vidéo sur ce tourisme, ce beau tourisme que nous effectuons. Je suis certain que vous aimerez. Nous sommes en Afrique, il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikasa. Le guerrier noir. Votre frère. Qu'on a posté la vidéo de comment est-ce que les femmes, les signes qui annonçaient le départ d'une femme infidèle. Mmh. Une femme avait réagi. Voilà comment elle vous trompe. Voilà comment elle vous trompe exactement. Mmh. Maintenant, et si on faisait une vidéo concernant les hommes aussi? Bah écoutez, les femmes elles réagissent toujours.